accepté, c'est déjà que ce soit un concours d'enfants, parce que j'avais l'impression de me sentir plus légitime de juger des enfants, parce que je suis maman déjà. Et aussi tu l'étais toi-même, une super kid. Voilà, j'étais une super kid, et c'était il y a 16 ans quand même. Hein. Mais tu ne les fais pas. Voilà, c'est ça. Mais c'était il y a 16 ans, et j'étais à la même place que ces enfants, donc je sais ce qu'on peut ressentir l'avant-prestation, pendant la prestation et après. Bienveillance, l'humanité, le côté familial, fédérateur, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la direction que j'avais envie de prendre, donc j'étais, me sentais à ma place. Moi, je dis qu'Alizée, elle a été très touchée par tous les numéros de danse, forcément. Oui, c'est vrai. À travers la danse, on peut exprimer beaucoup de choses. On m'a vu. On m'a vu pleurer. On m'a vu rire. Et du coup, j'ai été séduite par les enfants parce que quand on est petit comme ça et qu'on danse et qu'on transmet une émotion assez incroyable qu'un adulte parfois n'est pas capable de faire, c'est assez surprenant quand même. Bluffée par tous les numéros aériens. Et je pense que là, mon cœur de maman s'exprimait. C'est-à-dire que je restais en coulisses alors que personne ne me le demandait. J'étais comme ça, juste à surveiller pour savoir s'il se passait rien. Ils n'étaient pas attachés. Ouais, il n'y avait pas de filet. Il n'y a pas de sécu, quoi. C'était. Et le nombre de fois où on nous voit, je pense, enfin, moi, on ne me voit pas, mais Alizée, on la voit faire oh là, comme ça. Moi, j'étais dans le même état. J'étais dans le même état, voilà, juste derrière, parce qu'ils sont quand même tout petits, quoi. Il y en a certains, ils des rikiki, quoi. La complicité était là, je pense, parce qu'on se connaissait déjà, depuis pas mal de temps, chacun. Et du coup, on était super à l'aise. Si on voulait taquiner l'un, taquiner l'autre, voilà, on y allait, on se disait pas, bon, alors est-ce qu'il va se vexer parce que je le connais pas trop. On était super détendus. Je l'ai trouvée très douce, en fait. Et à la fois sur Le Meilleur Pâtissier et à la fois dans Super Kids, moi, c'est sa douceur. Elle est très jeune, en fait. T'as quel âge d'ailleurs? 31. Ouais, t'es jeune, quoi. Moi, je suis fan de Faustine, je le dis. Oh, mais oui, non, mais c'est vrai, je la trouve, en fait, je la trouve tellement professionnelle. Et puis surtout, elle est classe. Et voilà, être à la télé, présenter une émission de télé, il faut quand même avoir allure. Quoi. Ah, ça, c'est gentil. Donc moi, non, je suis super fan de Faustine. Sauf quand même, je tiens quand même à préciser qu'il y aura un prime où on me verra avec des boucles d'oreilles hyper mal mises à l'envers, ridicules. Oui, et c'est moi qui lui ai dit à la fin... Elle a pas le même, c'est que ça se met pas du tout comme ça. Ça se met pas comme ça, donc, il fait, non, mais, donc je lui ai montré comment... Non mais vraiment, quand même, on a quand même de la chance d'avoir Faustine qui présente Super Kiss parce que c'est quand même une super nana. Oh, ça oui, c'est très joli, je dis pas du tout.